Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica, chers amis. Nous avons donc récupéré l'intégralité normalement des compos. Je parle du lingot de titane, je parle de deux de... Ah, c'est du lithium ça. J'ai... Je me suis planté entre le verre et le lithium. Lithium. Où est-ce qu'est passé mon verre? Ah, il est là. Hop, je range deux lithium, je range deux de titane. Ah, je peux pas. Il me fallait quoi d'autre aussi? Je sais qu'il me fallait deux autres choses. En tout cas, au moins une. Il faut au moins ça. Il suffit d'aller voir là. Dans les... ici, voilà. Et donc, au niveau du Seaglide. Du Seamoss, voilà. Il me faut du lubrifiant. Et le lubrifiant, c'est facile à aller chercher. C'est pas très très loin. Donc de ce côté-là, c'est pas trop trop mal. On a géré. Non, non, tu m'auras pas. Tu ne mangeras pas ce soir. Tu ne mangeras pas ce soir. Ce soir, c'est ceinture. Oui, je chante du Disney. Enfin, je sais pas si... Oui, si le monde de Lemos doit être un Disney. Ok, c'est bon. Je vais pas m'amuser à faire ça 36 000 fois par contre. Ok, donc là ça c'est fait. Crac, crac. Et nous avons notre... c'était 3. Et merde. Et merde, Crudy. Et merde, Crudy. Je me suis encore chié dessus. Ça pue du cul. C'est bon. C'est nouveau ça. Je me rappelais pas de ce rire là. Je ne me rappelais pas de ce rire. Ça m'inquiète. Ok. On est bon. Ok. Donc c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Crac. Crac. Et du lubrifiant. C'est bon. Wouh. Donc. Maintenant qu'on a tout ça. Au passage. Je veux bien que tu m'enlèves ça pour le moment. Qu'est-ce qu'il nous faut de station de modification, centrale thermique, nanon rétro-nucléaire, cyclope, schéma de coque de cyclope, d'accord, ok. Bon. Je voudrais voir autre chose. Est-ce que j'ai un bâtiment qui s'appelle The Moon Pool, en anglais. Qu'est-ce que c'est? Générateur de courant. What? Intéressant ça. Ah non, de courant marin. Putain, d'accord, ok. Oh, il a fallu le temps que ça... Enzyme incubée. Enzyme mystérieuse. D'accord. Ok. Why not? Gravisphère, oui, ça je m'en rappelle aussi. Palme. Excusez-moi. Ah là. Je ne trouve pas le bâtiment que je veux. Alors, on va aller voir s'il est disponible ici. Crac. Apparemment, non. Module extérieur non plus. Là, non. Chambre d'immersion. Ça doit être ça qu'il me faut, en fait, en termes de nom. Ok. Donc, on va aller voir nos copains quand même là-haut. Là. Hop. Salut les filles. Papa! Je t'ai pas poussé quand même. Oula. Wouhou! Et là, on a un vrai engin de déplacement en fait, tout simplement. Ouf. Eh bien, un moyen de transport rapide et sûr, essayez de continuer à atteindre votre quotidien d'exercice hebdomadaire recommandé. Plastique pour. D'accord, ok. Ok! On l'a! Et donc, on va pouvoir le ramener à la base. Je sais pas par où on rentre, là. Ok. Alors, c'est aussi bizarre pour vous que pour moi. Hein. Pensez-y. E pour quitter, ok. Wow, je suis vraiment garé prêt. On avait un truc, ici.
Balance de pression. Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a... Ah, attendez. Amélioration. Oufou. Ah, je suis rentré dedans. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Ok. Ah, d'accord, il va plus profondément, tout simplement. Ok. On enlève les phares, parce que l'énergie, ça doit pas être magique. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller explorer alors. On a un nouvel endroit très profond à explorer. Et je suis curieux de voir ce qu'on va y trouver, à vrai dire. Wow. Alors, j'ai l'impression que le jeu en chie un petit peu à charger à la vitesse à laquelle je vais. Alors j'ai pas d'arme apparemment, hein, donc c'est... Wow. Alors je trouve pas des masses de compos par contre. C'est quoi, c'est une espèce d'arme? Wow. Bonjour. Ok. Ok. Œuf de créature, j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Racinaire calcifié depuis longtemps. Ce qui veut dire que je vais me planter. Ouh là là, j'ai peur. Est-ce que tu rentres là-dedans ou pas? Non, forcément. Ok, bon, bah on y retourne. Oula, oula, c'est bon. Crac. On remonte. C'est pas par là. Donc vous voyez, je me suis déjà planté au niveau du chemin. Là. Oh là là, je vais pas pouvoir ressortir. Ah, j'ai peur de pas pouvoir ressortir. Oh putain. Non. T'es rigolo, toi. Oh merde. Oh merde. Et je suis mort. Je vais y crever. Ta gueule, je vais crever donc, ta gueule. Ah bah c'est mort, voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit que ça m'arriverait cette saloperie. Putain. Plus jamais je rentre dedans. Ah, salaud. Et puis mon machin est à chaille. Tous les coups. Perpète les oies, bonjour. Ah. Oula. Ah oui, je préfère ça, oui, effectivement. J'avais peur de ce que c'était comme bestiole, ça, avant. Ok, bon, bah on a perdu des choses, sans doute, hein. Je sais pas exactement quoi. Fait chier. Mais je l'avais dit que ça arriverait, hein. Je l'avais dit. Si je rentre là-dedans, je vais crever. C'est pas comme ça que je l'ai dit, mais j'ai dit ça plus ou moins. J'allais me paumer dedans. Ok. Bon. Tu sais quoi? Fuck it. On se casse. En tout cas, on trouve pas grand chose en rapport avec l'Aurora dans le coin. Hein. Donc, je serais à me demander si on va trouver des pièces de quelque chose ou pas. Ou est-ce que je suis tout simplement parti dans la mauvaise direction ?
Wow. Ça lag de plus en plus. Ah, il y a l'air d'avoir une espèce de... Calme-toi, jeu, calme-toi. Ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il me faudra le 3, donc le bouton 3. Tu veux bien me casser, s'il te plaît? Centrale thermique, je prends. C'est pas ce que je recherche, mais je prends. Ok. Ça doit être la deuxième. Il y a du quartz ici. Oula. Soyons fous. Tu m'as complètement loupé! Ok, c'est bon. C'est pas vraiment ça que je cherche à la base. Il y a un gros trou là où c'est moi. Il y a un gros trou. Ok, donc c'est pas vraiment ça que je cherche. Ce qui, je l'admets, m'emmerde un peu. Ok, bon. Allons par là. On finira bien par tomber sur un truc. Et puis en termes d'énergie, apparemment, c'est cool, hein. Ce genre de véhicule. Non, j'allais dire, ça ressemble à une île. Apparemment, non. Par contre, c'est flippant, ouais, comme genre de structure. Parce qu'il y a dû y avoir un moment où ça a été une île, en fait. Un moment ou un autre, ça a dû en être une. Wow, le changement de d'ambiance du jeu là d'un seul coup. Ok. Alors je suis toujours à la recherche de bout de l'Aurora. Hein. Enfin de plus de plans finalement en fait. Mais je pense qu'il va falloir qu'on prenne un peu plus de risques si on veut trouver des choses. On va aller vers l'origine de l'impulsion d'énergie, vous savez, et on verra bien ce qu'on va y trouver. Ah, j'ai écrasé un truc sur ma coque. Désolé! En fait, c'est bien plus loin que ce que je pensais. Ok. Toujours pas de morceau d'Aurora. Il manquerait plus que ce soit sur le chemin, quoi. Gros trou et île flottante avec deux couilles dessus. Ok. Oh, t'es nouveau. Vous êtes nouveau, vous! T'as une sale tête. T'es rapide. T'es vachement rapide. Ok. Du coup, je suis curieux de voir ce qu'il y a en profondeur. D'autres bébêtes. D'autres bébêtes. Et rien. Ok. T'apprendras, Marcus, à être curieux. On va avoir faim bientôt. Ce qui en soi est un problème. Vu que nous serons loin de tout. Et c'est là que je regrette d'avoir bouffé mon truc. Fait beaucoup de bouts d'Aurora dans le coin. Hein.
T'es sûr qu'il n'y a pas une... Ah bah il y a un gros bout de quartz. T'es sûr qu'il n'y a pas une carcasse quelque part? Non? Bon ça ressemble plus ou moins à une île, hein. Faut pas se voiler la face. Alors vis-à-vis de l'Aurora, on est où? D'accord. Pas du tout là où j'ai l'habitude d'aller. Ah bah si, c'est là où on est déjà allé une fois, justement. D'accord. On pourrait le faire, cela dit, cette fois-ci. J'ai pas assez de bouffe. J'ai pas assez de bouffe. Oh, chier. Oh, on reviendra, de toute façon, on reviendra. On reviendra. On va continuer un petit peu à améliorer tout ce qui est base, tout ce qui est ce genre de choses. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de différence quand j'allume la lumière ou quand je l'éteins. Vous êtes pas flippant dans le coin, hein? Pourquoi vous avez des couilles sur le dos, vous? Yo! What's up, bro? Diamant? Wow! Putain, ils sont agressifs, eh! Quartz? Le soleil se couche. Oula, j'ai cru voir un truc. Apparemment, c'était dans ma tête. Qu'est-ce que c'est? Aïe. C'est du quoi? Ah, c'est du titane, je pense. Pardon, j'allais dire c'est du quartz, mais non, mais c'est du titane ou d'un truc à scanner. Je pense que c'était un truc à scanner. Un truc à titane, en fait. Pas un truc à scanner, justement. Ah, j'arrive plus à parler! J'ai l'impression de chercher au pif. M'avait dit de suivre les indications radio, je les ai pas fait. Merde. Ça me dit vaguement quelque chose, ce truc. Apparemment, on l'a déjà fait. Tu te calmes? Te calme. Ça, puis ils sont nombreux en plus, hein. Oui, c'est le chargeur à pile ici, je m'en rappelle. Ah merde, je cogne. Je m'en rappelle. C'est bon. Pas prévu que je saute comme ça, mais bon. Ça, c'est quelque chose. Ça peut pas ne pas être quelque chose, ça. Débris métallique. Ah non, c'est juste rien en fait. Yo. J'ai l'impression de chercher au pif. Et j'ai l'impression que c'est pas la bonne chose à faire en fait. Ça me nique les yeux ce jeu, je sais pas pourquoi. J'ai les yeux qui sont en pleine souffrance là. Alors! Ça lag. Ok. Monsieur qui pète. Bonjour, monsieur qui pète. Aïe. J'en ai mal pour toi, désolé. On va essayer d'aller par là, on va aller en profondeur, tant pis, hein. Je sais pas si c'est une bonne chose. Allez, on y va. Hop. Du caca. J'estime que c'est leur caca à eux, en fait, hein, au gros. Ah, attendez. Ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait. Normalement.
Ah si, apparemment si. Ok. D'accord, il y a des lions, pourquoi pas. Au-dessus, il doit y avoir des gros gros trucs. Voilà, on peut le voir en haut à gauche. Oh, c'est quand même sympa à regarder. Ça me pique les yeux, mais c'est sympa. Excusez-moi. Il y a des pics là. Ça fait pas très naturel tout ça. Tu me fous les boules. Ok, pourquoi pas. Bon bah je trouve rien hein. Alors je sais que je vais pas trop m'éloigner parce que je suis plus qu'à 20% de bouffe en fait. Allons-y en ligne droite. Sans qu'on allume ou qu'on allume pas, on n'y voit rien. Donc là, pour le coup, on peut attendre. Hein. Juste faire attention si jamais on tombe dans de la... Ouais. Ça, je suis au courant, t'inquiète. Salut! T'es vraiment gros, toi, par contre, hein, je veux pas dire, mais... Peut-être penser à maigrir, hein. C'est qu'on a vu juste avant, non? Ça y ressemble plus ou moins, donc... C'est ça. Ok, on coupe la lumière. Désolé. Je rentre dans des poissons. Elle est cool ma vie. Ok, attendez, j'ai vu des siglides, des machins, des bidules par là, donc on va... Enfin, non, des air stacks, pardon. Voilà. Trois air sacs. Ils viennent me péter de partout, là, en fait. Vous le savez pas, mais ils viennent péter partout. Si j'arrive à pêcher, ce serait cool. Ok. Ah la vache. Mais alors ? J'ai l'impression que plus je mâche le bouton, moins je les attrape. Voilà, ça y est. Non, il a pété, lui. Ok. Le Simos, il est là. Je devrais avoir ce qu'il faut. Si j'étais... précautionneux, je prendrais un petit peu de sel si j'en trouvais sur la route. Aïe. T'as fait des dégâts dans mon truc toi par contre. Va savoir pourquoi, comment, tout ça. Ok, c'est là. Ok, on est bon. Hop, on rentre. Ok, bon, on va manger un coup. C'est pas là. On avait un boomerang. De toute façon, on va pas pouvoir tout manger tout de suite, je pense. Deux boomerangs. Trois boomerangs, bon bah finalement. Voilà, on peut s'arrêter là déjà. Un airsac. Deux airsacs et trois airsacs finalement. Ah bah merde, je l'ai loupé. Trois airsacs, voilà.
Normalement, c'est au bout de 3. Là, c'était vraiment méchant. Ok, pourquoi pas. Si tu le dis. Si tu le dis. Non, on m'avait dit de regarder les messages. Je vais regarder les messages. Pim, pim, pim. Alors, vas-y, dis-moi tout. 17, coordonnées attachées. Looks like for si must be collapsed around me. The time 13 cube with a cutter, laser cutter, and a linear the body count. D'accord, life pod set out. D'accord, ok. C'est tout ce qu'il y avait? Attendez, il y a beaucoup plus? En plus, je pense que le truc à 6 MOS, je l'avais plus ou moins déjà. Vu que j'ai déjà le 6 MOS. Sauf si c'est la le Moonpool. Ce qui m'intéresserait, forcément. Oh. Ok. On va aller voir, hein, mais... Oh la vache. Vous avez vu à quelle vitesse il allait, celui-là? Mion. Wow. Tu devrais grossir encore, toi, t'as raison. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ce qui est bizarre. On dirait une énorme anguille. Alors, apparemment elle est dans la zone. Voilà, Simos Bay. Donc ça, j'ai déjà visité normalement. Par contre, le machin. J'aimerais bien voir où il est. Ok. C'est du Simos ça aussi, tiens. Ok. On doutait que ça allait finir comme ça un jour ou l'autre. T'es trop moche pour vivre. Putain, ça va mal finir. Faut vraiment que je regarde où je vais. Hein. Moi j'ai envie de straffer un peu n'importe où, n'importe comment. Et je peux pas. Hein. Ok, c'est verrouillé. J'ai oublié un peu ce bâtiment. Comment on y rentre, tout ça, tout ça. Ouh là là. Bien joué. Et tu ne mourras pas. Non, j'ai zappé. Bon, c'est pas grave. Ça doit pas être par là. Ah putain, si, il y avait un trou ici. J'avais oublié. Ah, j'avais oublié. J'ai l'impression que tout est trop proche en fait. Du coup, j'en chie à me déplacer correctement. En fait, c'est tout petit cet endroit ou c'est moi? J'ai l'impression qu'il y a là, il y a là. Et puis c'est fini quoi. Sauf si, attendez, il y a là aussi. Il n'y a pas de Moonpool là-dedans. Clairement, il n'y en a pas. Ok, donc c'est pas ça que je cherche. Évite de péter ton Simos, Marcus, par contre. Franchement. Il manquerait plus que ça. Ok, bon bah tant pis. Là, ça c'est encore du Simos. Je pense. Hein.
C'est du CMOS. Ok. Ça va être du CMOS aussi. D'accord. Bon, bah pour l'instant, c'est pas bon. C'est pas par là qu'on va trouver ce qui nous intéresse, si je puis dire. Peut-être que pour l'instant, on devrait se remettre au niveau de ce pod-là, de notre pod à nous. Voir ce qui va nous arriver comme... signaux. Tout dépend du nombre qu'il y aura. Ça peut être intéressant, mais on est déjà venu. Par là. Ok, bon. Ouais, je suis un peu perdu sur ce que je devrais faire actuellement. J'ai... pas forcément... Ah oui, attendez, je voulais voir, mais ils sont peut-être en train de pourrir, non? Non, toujours pas. Ok, cool. Bah, ne pourrissez pas, c'est très très bien. Ouais. Il faudrait que je trouve le Moonpool, quoi, rapidement. Ça va être une nécessité. Ensuite, il faudra que je trouve... que je me renseigne sur comment faire le... comment trouver tous les bouts aussi du cyclope. Ça va être clairement une nécessité aussi. J'en profite pour récupérer ça au passage. Crac, merci. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bon. Gary. Et un Piper. Deux Piper, je crois. C'est ça. Ok, merde, je devais appeler... bon, c'est pas grave. Je me rappelle un truc. Que je vais faire IRL. Voilà, là ça passe bien à 3. Du coup. Intéressant tout ça. J'ai beaucoup de carbone ici. De titane, pardon. Ah, j'en... Attendez. Ah non, j'en ai que 2. Je croyais que j'en avais une troisième après qui était apparue, mais non. Mais non. Mais non. Ok, je prends ça, c'est pas grave, ça peut toujours m'être utile. Ok, là c'est bon, on est où dans l'épisode? 32 minutes. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser la prochaine épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo!